السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ديما. معكم هشام من قناه هشام سكولين للفيزياء والكيمياء. اذن اليوم مع الدرس الثاني من دروس الكهرباء لي ترون كومون سيونتيفيك، واللي هو لا طونسيون الكتريك كونتينيو. دونك الى بغيتوا تعرفوا اكثر على هذا الدرس هذا خليكم معنا. إذن بالنسبة لا نوسيون دو لا طونسيون إلكتريك، يعني كيسكو سا فو دير اون طونسيون إلكتريك. دونك هادي سي با فاسيل ا كومبروندر ا ديجيري، داكشي علاش جو في سامبليفي لي شوز. الوغ جو في اسيمولي لا طونسيون إلكتريك ا اون كاسكاد، يعني شلال. باغ اكزومبل اون كاسكاد سكون بحال هكذا، donc là c'est l'eau qui coule. Là je vais noter ça A et là c'est B. Bien sûr ici nous avons une altitude, donc de A à B. Bien. Alors ça, c'est une chute d'eau d'une cascade. Cascade. Bien. Vous remarquez facilement qu'il y a une différence entre le point A et le point B. يعني هاد A هاد اللي كاين هنا ماشي هاد البوان B، يعني مختلفين، ما يمكنش يكونوا في نفس ليطا. باسكو اي سون يعني ديستون اون التيتود اللي هي H. دونك ما عندناش اون سيمتري ولكن عندنا اون دي سيمتري. سيمتري يعني عدم التماثل. دونك سي اون اسيمول انكور لو ليكولمون دو لو ا او كورون الكتريك، فو سافي ديجا كو لو كورون الكتريك سي كوا، سي لو ديبلاسمون دو بورتور دو شارج، حملة الشحنة. Nous, dans notre cas, dans un circuit électrique, les porteurs de charge sont, ce sont les électrons. Alors maintenant, si je veux assimiler cette cascade-là par une partie d'un circuit électrique, donc je vais avoir ça. Alors, les points A et B, l'eau, ou l'écoulement d'eau, c'est le dipôle. Donc, un dipôle, c'est quoi? C'est tunnel et le quadre. C'est un conducteur qui laisse passer le courant électrique. Donc, et le courant électrique, c'est l'eau. L'eau qui coule, c'est le courant électrique. Bien. Donc, maintenant, si je veux représenter, donc, la tension électrique, elle est représentée par une flèche. Comme ça. Et il est noté UAB. Donc UAB. Alors UAB, ce n'est pas un vecteur. Si je dis UAB, donc la flèche se dirige vers A, vers le premier point. C'est par convention, yani istilah. Bien. Et comme je j'avais déjà dit, ce n'est pas un vecteur, même s'il a un peu de caractéristiques d'un vecteur. Alors, et je peux noter UAB égale à moins UBA.
Et ça, ce qu'on on peut dire, c'est une. Donc la tension, c'est une grandeur, grandeur, miqdar, algébrique. Miqdar jabri, ça veut dire qu'il peut être soit positif ou bien négatif. Bien. Et vous remarquez également que toujours nous avons le sens du courant électrique, elle est toujours au sens contraire du tension électrique. D'abord, dans un circuit, comment ça se passe dans un circuit? Alors, je vais dessiner un circuit électrique. Alors, nous avons une dissymétrie, Adam at-tamathul, entre le point A et le point B. Donc, le point A, mais ce que j'ai le point B, yani مختلفين. هنايا بالنسبة للشلال بالنسبة للكاسكاد يعني il est évident parce que هذه il est en haut هذه il est en bas donc il y a une différence يعني اللي هي c'est pareil pour le circuit ولكن le circuit ما كتبانش alors باش نعرفوا شنو الفرق ما بين A و B خاصنا نرسموا le circuit électrique donc le circuit électrique قلنا ان A مختلف على B علاش parce que A, elle est liée, le point A, elle est liée aux bornes positives, aux bornes positives le générateur. Par contre, le point B, elle est liée aux bornes négatives du générateur. Alors, هنا كيبان لكم انه غيكون فرق ما بين A و B لان هذه الى لي البوزيتيف وهذه النيجاتيف سوف دير كاين فرق alors هذاك الفرق هو اللي كنسميوه ديفيرونس دو بوتونسييل و لو بوتونسييل سي كوا alors بالنسبه ل UAB UAB الى ايغال ا VA موان VB بحيث ان VA, c'est le potentiel Al-Juhd. Potentiel élevé. Potentiel électrique élevé. Benisbal VB, c'est le potentiel électrique bas. Yani, هذا العالي وهذا المنخفض. Donc, on a une différence DDP. Ça veut dire différence de potentiel. Farq al-juhd. Différence de potentiel. Alors, vous observez que c'est il est positif. Parce qu'il est lié aux bornes positives du générateur. Vous savez? Donc, une petite remarque. Si UAB égale à 0, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est V1 moins VB qui est égal à 0. Donc, on a UAB, c'est VA moins VB. Mais quand on dit VB moins VA, vous savez, VB moins VA, quand on dit VA, c'est une distance, ou quand on dit une distance. Donc, toujours quand tu vois l'écriture. Donc, ça veut dire que VA égale à VB. Et puisque VA égale à VB, ça veut dire que le point A, c'est pratiquement, il est pratiquement le point B. Alors, la conclusion, ça va nous aider à résoudre beaucoup d'exercices. Donc, on peut dire que, donc,
si la tension entre A et B est nulle, les points A et B sont dans le même état électrique. Ils ont le même potentiel électrique. Alors, ce qui est important, c'est que يعني ماشي بالضروره A إيكال B، ماشي بالضروره انهم زعما راه كيكونوا يعني A هنا و B هنا، لا. يعني مثلا الا كانت عندي سي جو يعني عندي ان بوين هنا مثلا D، دونك سي سون كونيكتي سولمون باغ ان فيل دو كونيكسيون، يعني ما كاين حتى ديبول هنا ولا شي اب شي انسترومون هنا اونتر A و B، يعني سولمون ان فيل دو كونيكسيون. راه هنا كنقدر نقول ان A إيكال B، يعني ان لو بوتونسييل ديال A راه هو لو بوتونسييل ديال D. هذه غتستعملوها بزاف بزاف لي زيكزارسيس. الوغ فيت اتونسيون بيان. ميتنون اون باس ا لا ميزور دو لا تونسيون الكتريك كونتينيو. Alors, pour la mesure de la tension électrique continue, on utilise un voltmètre. Alors, voltmètre, il y a un voltmètre qui est analogique, ou bien un voltmètre qui est numérique. Alors, pour le voltmètre analogique, on branche avec le dipôle en parallèle avec le voltmètre. Par exemple, هنايا dans l'exemple précédent. Alors هنايا بغينا si on veut brancher le voltmètre pour mesurer la tension entre A et B et la tension UAB. Donc هنايا ما كملتش لكم بلا I. Alors I, le courant électrique, il sort toujours du borne positif. Bien. Donc هنايا غيكون بحال هكذا. Ça veut dire que il entre du point A. Donc je branche mon voltmètre en parallèle comme ça, de telle sorte que هذا يكون هو le borne rouge, يعني le positif. On a rasco le moins. Donc toujours le borne rouge, يعني qui compte le plus la rétro le courant électrique. Bien. Après, on doit choisir un calibre, l'ampèremètre. Donc, choix, donc le voltmètre. Donc, le voltmètre est branché en parallèle de telle sorte que le courant électrique entre par la borne rouge. En plus, lié le plus. Après, on doit choisir le calibre adéquat. Donc, le calibre al-munasib, al-ayar al-munasib. Bien. Donc, d'aiman ratkoun ratbqa tabakoum hadik la relation dial le voltmètre, l'ampèremètre. Donc, kif ma chfna l'ampèremètre, alors chfna anna kandiru C fois N sur N0 pour mesurer I. هنايا كذلك هو مثال في U حتى هي C fois N sur N0 avec N, c'est le nombre de divisions indiquées par l'aiguille. Par l'aiguille. Donc, هو عدد التدريجات اللي هو يانديكي هنا اللي كيبان لنا هنا، يعني ملي كنخدموا هذا لامبيرمتر هذا الفولتمتر. بالنسبه ل N0 سي لو نومبر توتال دو ديفيزيون، نومبر توتال دو ديفيزيون du cadran. Pour C, c'est le calibre utilisé.
Bien. Ou U, c'est la tension, bien sûr. Alors d'abord, c'est l'incertitude absolue. Donc il y a l'incertitude absolue. Alors il y a DU égale. Donc, la classe du voltmètre multipliée par le calibre utilisé sur 100. Bien. Et on définit aussi l'incertitude relative ou bien la précision de la mesure. Précision de la mesure. Précision de la mesure, généralement, elle est obtenue par pourcentage, en pourcentage. Donc, il y a DU sur U. Alors, il y a la relation. Donc, par exemple, si j'ai, exemple, il a un dit DU sur U égale, maintenant, il y a 0,15 sur 7,5, il y a que ça, oui, 0,02, donc soit multiplié par 100, à certaines, il y a 2%. Alors, à 2%, il y a la précision de la mesure. Alors, la précision de la mesure, yani, cette certitude relative, yani, faible, la mesure, elle est précise. Vous savez? Donc, là, donc, la mesure est d'autant plus précise que l'incertitude relative est faible. Ça veut dire que l'incertitude a de la valeur telle qu'elle, yani 2%, parce que la mesure elle est très très précise qu'il a le 4 ou 5%. Maintenant, on passe au circuit, yani en série ou bien en parallèle. Donc, on commence par le circuit en série. Alors, pour le montage en série, comme vous le voyez sur cette figure-là, donc, des tensions, une seule tension. Donc, regrouper des tensions séparées dans une seule tension. C'est ce qu'on appelle circuit en série. Mais comment savons-nous que UAC est égal à UAB plus UBC? Donc, je vais vous donner la loi d'additivité des tensions. Alors, qui est maintenant la loi d'additivité des tensions. بالعربي ما عرفتش اكزاكتومون ولكن هي قانون تجميعيات تجميعيات يمكن التوترات شي حاجة بحال هكذا قانون إضافية التوترات هذا تفكرت قانون إضافية التوترات الوغ هنايا عندنا يو اس سي كتساوي الوغ يو اس سي دونك هاد لا طونسيون هادي كيف ما قلنا يو اس سي هي VA moins VC. Bien. Ou UAB, je sais ce que c'est. UAB, par définition. UAB, qu'est-ce que c'est? Il y a VB, VA moins VB. Ou UBC, je sais ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Il y a VB moins VC. Bien. Donc, minhado. Il est drôle. Alors, il est drôle. UAB
plus UBC. شحال غتساوي ليا بهذا الشيء هذا؟ دونك UAB هي VA موان VB plus BC هي VB موان BC VC. الوغ هادي غتمشي ليا مع هادي، شحال غتبقى عندي؟ غتبقى عندي هي VA موان VC، و VA موان VC هي شحال؟ هي UAC. داكشي علاش ديريكتومون، يعني بلا ما دير هادشي هذا ديريكتومون في لا لوا داديتيفيتي دو طونسيون، الوغ كيكون عندك يو ا سي مثلا، هاد يو ا سي هادي راه كتساوي يو ا بي زائد يو بي سي، بحال تقريبا بحالها بحال لي فيكتور. يعني مني درت انا يو ا بي زائد يو بي سي كتساوي، فراه كتشوف هنا كاين عندهم بوان اون كومون هي بي، دونك كنحيد بي وكندير ا سي ديريكتومون، دونك يو ا سي. Donc, pour les vecteurs, avec ce que je vous dis là, pour la tension et la, un peu de caractéristiques des vecteurs. Bien. Donc, d'abord, je vous fais le circuit en parallèle.